Salut YouTube, et bienvenue pour ce troisième épisode de Metro Exodus. Bon, on reprend exactement là où on en était. On allait aller voir le mec qui nous a demandé de voir, là je me souviens plus qui c'est. En relançant le jeu, là je me suis aperçu qu'il y avait un mode extrême au-dessus du mode ultra. Donc j'ai balancé en extrême, Michel. Bon, c'est toujours très beau, mais j'ai pas parcouru la lande pour voir si c'était vraiment beaucoup plus beau ou pas. Je sais pas si ça tourne bien d'ailleurs, a priori. Ça a l'air de bien tourner, Michel, même avec le record. Ça a l'air, on va voir. Hein. Si on constate que c'est merdique, et ben on changera. Hein. On repassera en ultra, mais a priori ça a l'air de. Ça a l'air de passer. Oui, la boussole, rappelle-moi. Ok, donc c'est là qu'il faut aller, hein. Putain, mais c'est grand. On a été en haut, là. S'il y a devant le train, on peut évidemment pas y aller. Et il y a tout le merdier, là, d'accord. Et donc il y a encore une troisième zone, hein. Manifestement, bon bah écoute. Non, c'est pas comme ça qu'on sort de ça. On verra bien. Faut prendre le bateau. Alors on peut prendre le bateau pour aller directement en face, là. C'est bon, là c'est peut-être un peu plus fin encore, hein. Ouais, effectivement. Ouais. Notamment sur la végétation, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça monte les potards du LOD, essentiellement. Je pense. Putain, c'est vraiment ultra beau, bordel. Ah, et il y a du NTFS. Je le vois. Voilà, à ça. Je le vois avec les enroutés, donc c'est la même SSAO qu'il y a sur FF15. J'ai vu tel. Ah putain, Michel. Clover de ses morts. Pardon, YouTube, voilà, c'est revenu. Voilà. Toujours un tout pour merder. Oui, s'il y a un. Il y a des God Rays supplémentaires et tout, putain, c'est. Extraordinairement beau. La vache, j'aurais bien aimé refaire le jeu depuis le début. Avec cette. Oui, c'est beau, c'est un peu plus beau. Hein. Enfin, c'est assez nettement. J'ai vu une bébête se promener là-bas, voilà. On va peut-être prendre. Voilà, cette merde. Ok. Bon, bah là, on est parti dans la pampa, Michel. C'est quoi cette double? Ok. Qu'est-ce que c'est que ces saloperies? Ok. Des écrevisses, voilà. Ok. J'ai pas envie de me faire baiser, j'ai pas envie que ça arrive dans mon dos, ces conneries. Oh, ils sont deux. Ah, j'aime pas ça. Putain, c'est quoi ce fusil de mort, voilà. Ok. Viens là, espèce de FDP. Viens là. Tu m'as pas capté, mais moi je t'ai capté, moi. Foiré, là. T'as pas du loot? Ouais, on va. Oh là. J'aime pas le bruit que je viens d'entendre. Barrons-nous. Celui qui m'inquiète et celui qui s'est barré là. Ok, donc je peux recharger maintenant. Alors ça, je vais le. Mais non, tac, voilà. Parfait. Y'a rien ici, hein. Putain, il se met à flotter, c'est ouf. Oh là là, avec la météo et tout. Pop, 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 pop.
C'était pas ça, hein, la bête que j'ai chopée. Putain, mais l'ambiance, Michel, oh là là. Je pense que c'est scripté, mais c'est stylé, hein. Putain, les fourrés qui ralentissent le perso et tout, putain, mais... Barrez-vous. Ok, mais mon arme est pas forcément très sale, Michel, mais... Ok. Ok, il va pas tarder à me demander de foutre mon masque à gaz. Voilà. Ok. On est là, c'est tout droit. Ok, non, putain, faut que je me fasse au machin. Il y a un compteur hier. Ah, ok, on est à fond là, ok, d'accord. Faut pas aller par là. Ok. Par là, c'est vraiment trop la merde. Ok. On peut aller par là, hein. Putain, c'est quoi? C'est juste des trous à la con, ça, d'accord. J'entends une bête sur la gauche, hein. Et... Ok. Tout droit là-bas. Hein. Quand même aller voir là s'il y a quelque chose. Ok. Ah, un établi, ça c'est très bien. C'est ce que j'ai là, non? Et voir. Il est là un peu mieux celui que j'ai là. Fais voir, on va tenter. Ok, parfait. D'abord on prend celui-là, Michel. Et... Ah bah voilà, parfait ça. On peut dormir pour jusqu'au matin. Allez.
Allez, réveille-toi, Michel, t'as assez dormi. Parfait. Et là, il y a un établi, donc on est content. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Tiens, la chevrotine. Ah. Ah bah on installe, bien sûr. Putain, super, on peut upgrader les tenues et tout, putain, c'est trop bien. Équipement électrique, case de spartiate et le massiaillaz. On peut le réparer, je vais le réparer. Ah non, il est à fond, d'accord, ok. Pas. Ah, 24, ok, d'accord. Ok. Ah, oh oui, j'aimerais bien ça. Des cocktails Molotov, faudra que j'en fasse plus tard. Ouais. Très bien. Parfait, bon. Donc c'est vers là-bas qu'on va. Hein. Il y a des bêtes, Michel, il y a des bêtes. Je crois pas qu'on puisse aller sur les trucs d'espèces de carcasses de bateaux, là, il y a un... Putain de monstre là, j'ai pas de raison d'aller l'emmerder. On va essayer de conserver les munitions. Ah, par contre celui-là risque de nous casser les couilles donc... Ah, ça tire par là-bas là, allons voir. Ok, il m'a vu. Bah viens là Michel, viens là, viens là. Je te promets ça va bien se passer. Oh putain, j'ai réveillé l'autre dedans là. Il y en a un autre là-bas. Ok, on va là-bas. Un autre. Ah, Michel. Putain de saloperie hein. Et c'est radioactif par là ou quoi? Non. J'ai cru saute Michel. Ah bon, radioactif par là. Ah c'est trop, c'est trop. Je peux pas aller par là pour le moment. Ok. Faire gaffe à marcher dans les fourrés, ça ralentit. Hein. Ah, tiens, c'est là que ça tire. Ouais, t'as raison. Rien à foutre de vos histoires. Une petite sauvegarde, Michel.
On peut pas. Ah, impossible en combat, pourquoi? C'est vraiment... Oh putain, il y a encore une grosse saloperie là-bas, là. Oh le fils de pute! Ok. J'ai entendu le Michel. Hein. Pas une sauvegarde rapide. Tac. Je vais rentrer dans le bâtiment quand même, putain. Oh, il va y avoir du loot là-dedans, Michel. Merci. T'es bien aimable. Et... Merci Michel. On peut descendre par là, mais pour l'instant je vais quand même... Pourquoi la bloquer ? Allez, d'accord. Il y a l'air d'avoir une bête dans le coin, mais on sait pas trop où, c'est le merdier. Je sais pas si c'est par là qu'il fallait aller, mais... Pas vraiment, hein. C'était plutôt par là, fallait faire peut-être contourner le... Écoute, on va voir par là déjà si... Hein. Ok, si on peut aller par là... Ok, il y a un bateau là. C'est quoi là-bas? C'est des saloperies, très bien. Y'a rien hein. Oh non y'a rien. Ouais. On entend Crest, tout à l'heure on l'a entendu quand on s'est fait agresser par le... Par le mutant de ses morts. Il a l'air d'être là-haut hein, je pense. Là en fou en face ou à... Quelque part. Putain j'entends des... Ah on entend des bruits mais je sais pas si c'est des gémissements de... Quoi? Ah ouais c'est des machins qui sont là-bas, d'accord, putain on les entend de là. Ah ça fait plaisir. On peut descendre de là. Putain.
saloperie, hein. Il m'a pris mon loot, hein, ce bâtard. Je pense que c'est une mauvaise idée de continuer. C'est un putain de chute sage. Ah si, il était là mon loot. Voilà. Ok. C'est vraiment une splendeur, putain. Oui, je t'ai entendu, Michel. Ok, vous faut que j'aille dans la grue et il me demande de descendre. Ok, enfin de monter sur le toit, on va s'exécuter. Putain, il est bien barricadé le Michel. Hein. Oh, il y aura du peuple dans ce bâtiment. Je vais d'ailleurs aller voir si... Putain, c'est toi qui gueule depuis tout à l'heure là, quand on chie là, putain. Bah reste là. Hein. On va pas te pleurer, Michel. Hein. Je le dis tout de suite. Y'a pas du loot dans son merdier là. Ah non, y'a rien. Ah, y'a plus rien. Ok, y'a rien. Ok, que dalle, bon. Quoi? Ah, j'ai marché sur une merde, ok. Putain, mais t'en fais du bruit, toi, espèce de salopard. On peut faire une petite sauvegarde là parce que je pense que ça va s'ambiancer dans pas longtemps. Ah, je pense qu'il va falloir que je monte sur ce merdier là. Ok, faut que je monte sur les. Je vais aller voir là-dedans si, hein. Voilà. Bonjour Michel. Voilà, t'as raison. Putain, il déconne vraiment zéro ce fusil. Putain, mais vous êtes combien, bordel? Eh merde. Ok. Putain, il m'a fait si mal que ça, l'autre FDP, là. Putain, y'en a un autre là-bas.
Et... Oh putain, on peut même aller en dessous. Oh, je suis pas sûr de vouloir descendre, Michel. Cocktail Molotov, je prends. D'ailleurs, on va le sélectionner de suite. Ok. Est-ce que ça monte sur le toit? Ouais, ça a l'air. Hein. J'irais bien voir en bas si. Hein. Je ferais bien aussi faire monter ma loupiote là. Okay. D'accord. Et là-bas. D'accord. Pas de problème. C'est vraiment on s'éclate hein. Ok. Tout a explosé, tant mieux. Alors, Daria, tu avais raison, ils grandissent vraiment à une vitesse anormalement élevée. Je viens d'en identifier deux de la portée de l'an dernier, et ils sont déjà adolescents, c'est incroyable. Prends le magnéto et les batteries, on s'installe ici, c'est un endroit parfait pour les observer. Et tant que tu y es, fais une piqûre anti-rabbit à Miraïd, il s'est fait mordre, et il dit que ce n'est rien de grave, mais on ne sait jamais. Heureusement, j'ai réussi à le persuader d'aller récupérer l'équipement et de te ramener, je vous attends ici. Idée de génie.
Tiens, remonte là. Écoute. Bon, si on arrive à monter sans se merder là. Oh. Je sais pas ce que c'est ça, mais on va essayer hein. Alors. Stack. Sur tous on peut l'utiliser, mais on va essayer sur celui-là là. Vas-y. Oh putain, il devient bien notre fusil là. On n'irait pas faire le con. Ah, on pourrait même monter. Là. Bien ce que je pensais. Y'a rien à voir là. On pourrait descendre là. Où est-ce que ça amène? Ça va peut-être à une autre petite. Petite pièce. Ça n'a aucun intérêt, a priori pour le moment du moins. C'est quand même extraordinairement beau, Michel. C'est quoi déjà ces F7? Ah mais il me prend le sang là, il fait chier putain. Qu'est-ce que c'est beau. La pièce de tout à l'heure, ok. Évidemment. Putain d'enculé. Bestiole de mort, effectivement. Putain d'enculé, le truc de mort. Oh là là. Yeah.
saloperie de mutant comme tu dis hein. Putain, ils m'ont coûté cher en munitions CFDP hein. Et puis évidemment y'a rien là qui... Non. Putain, enculé. Allez, on y va. Я здесь! Поднимайся! Et Michel. Ну ты суров, братка! Аж же приятно посмотреть, честное слово! Эти-то хуч мутанты, а дело знают! Если деревенских поймают, то тем сразу карачун, а ты их как капусту нашинковал! Ну, здорово! Меня Крестом звать! А ты с того провозу, значит? А местные с вами, небось, разговаривать не стали, а? Сразу палить начали? Ну так ясен хрен и дрить их за ногу! Я тут долго уже парюсь, знаю чё да как! У них секта тута, верят, мол, техника старый мир сгубила. Ну и, значит, за техническую грамотность, сам понимаешь, ни разу не привечают. Ну а меня так и вовсе в клетку законопатить хотели, покуда демона ихнего электрического сам убивать не побегу. За сатанизм, во! А какой я сатанист? Всю жизнь я технику подчиняю, да торговлишко еще промышляю. А теперь на восток вот намылился. Нехрен в этой части страны ловить. Наездился. Все города выжжены, а вокруг одни бандиты да нечисти. А там-то за Волгой места немерено. Так получше должно быть. Ну так и вот, пилил себе мирно, полная дрезина добра. Думал, торгану по дороге. Черта с два, еле ноги унес. Но, как вы тут нарисовались, появилась у меня мысля. Самому бы и ни почем не справиться. Ну, а раз вам тоже на восток, то в такой-то компании. Я вашу колымагу, между прочим, бинокль видал. Неясно, как она еще не издохла. Кстати, бери бинокль, сейчас все тут покажу. Вон, видишь мост? Вот эта секция вверху должна опускаться. Аварийный механизм на месте, но вот работает он нет. Это Катя с церкви знать должна. Я-то на мосту не был. Вон там направо ангар здоровенный. Это терминал. У придурков с моста там типа святое место. Все стены размалевали. Царь рыба у них там обитает. Как есть идиоты. Еще правее, где вагонов куча? Это депо бывшее, там сейчас бандюки обосновались. Ну вообще место богатое. Да и вокруг ничего так, охота и вообще. Я кругом себе лёжки оборудовал в удобных местах. Так что переночевать, отремонтироваться, патронов набить теперь много где можно. Так что ищи, пригодится. Хотя, конечно, можно и просто у костра ночь пересидеть, хоть согреешься. Пойдем, покажу мое логово. C'est possiblement le plus beau jeu de l'histoire, quand même. Hein. Je voudrais pas dire, mais... La vache. La skybox est absolument splendide, même si, bon, elle est encore un peu JPEG, c'est pas des nuages volumétriques, mais elle est très réussie. Барак, тут все логово мое. Вот так и живу. Не дворец, но опасно. Тут вот сплю. Если устал, мой дом, твой дом. Я старт вот сделал, куряюсь потихоньку. Если патроны нужны, не гранаты, пользуйся, материал вот лежат. Вообще, все, что видишь, полезно забирай. Мне все равно с собой тащить из руки. Давай, не стесняйся, пробуй. Alors, rien voir. Putain, mais le sound design. Ah,
Ah, j'ai des molotovs aussi que je pourrais faire. T'as vu, t'arrêtes pas de jacter depuis tout à l'heure. On bat les couilles, frère. Ah, tiens, je peux pas. Ah, mais y'a des trucs que je peux démonter, mais oui. Attends. Так что тебе их, думаю, бояться нечего. А тя-тя, вот давай. Взять хоть уродов. Одному они тьфу, цеплёй перешибить. Вот стая, это совсем другой клинкор. Разозлил, делай ноги пока живой. Я раз так нагорел. Все барахло побросал, в одних штанах, считай, утро. Вот ты можешь по канату вниз дунуть, берешь карабин, цепляешься и поехал. Allez, c'est parti, Michel. J'ai pas tout compris à ce qu'il faut faire, mais on va le faire. Il m'a dit faut que je gère mon bordel là. Il faut que je retourne à la... je vais retourner à l'Aurora. Дамир, Артём, Сэм, у нас тут ситуация. Анна не выходит на связь. О, путин. Toi de la rejoindre, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ah non mais... Attends, je remonte là pour prendre mes marques. Oh là là. C'est bien gentil mais... Bah et vous avez bien raison. Ah vous revenez quand même. Oh les fils de pute. Y'en a un qui était dans mon dos putain. Oh là là. Fais chier. Ok. Sur le toit donc. Non c'est bon Michel. Дамир, Артём, Сэм, у нас тут ситуация. Анна не выходит на связь. У кого какие мысли? Кто что знает? Товарищ полковник, она вроде антенны вон в 200 метрах от Авроры смотреть хотела. Что-то там ей показалось. О, уже красно. Параде не маршируют, это не значит, что... Туристы... Конец связи! Mais cours, espèce d'anbaté, bordel.
Allez, barrez-vous les Mongoliens. On va se soigner là. C'est quoi ça? Ah merde, non. Non, non, je vais surtout pas me réveiller la nuit, Michel. Hop, l'attaque. Tant que je suis pas obligé de... d'être dehors quand il fait nuit... Je préfère éviter. Ok, alors, où est-ce qu'il faut aller mais je ne peux pas, les gens du coin et les animaux ne rendent pas ce mec quand même. Ah bah voilà. Артём, ты меня звал. Там было так хорошо. Но я тебя услышала. Ну и как бы я тебя одного... Ok. D'abord en avant, Guingamp, on peut faire une petite sauvegarde, tout à fait. Putain, elle a l'air... Ah ok, j'ai viré ma machine à la place. Ok. Alors, message est trempé. Qu'est-ce qui leur prend de nous apporter ces saletés? Il faut s'en débarrasser correctement. Cette bande d'escrocs du traitement des déchets, ils se partagent le budget avec les généraux et nous on se retrouve avec ces vieux trucs sur les bras. Je me demande si ça devient encore pire
ou si ça s'arrange une fois la date passée. Dans quel cas on s'en sortirait le mieux. Les barils ont l'air de prêts à se mettre à fuir à tout moment. Il va falloir demander une combinaison de plus. Ok. On est bien sorti là, Michel. Ok. Sorte d'où tous ces FDP là. Putain, y'en a encore un là. Ah ouais, non mais je le sens pas de descendre là par contre. Non. je le sens moyen, Michel. Le malin. Il était bon son petit son piège à lui. Mais rallume, Michel, voilà. Quelle ambiance incroyable.
On va le faire. Ça. Ah bah c'est pas dommage les mecs. Хорошо, Артём нашёл. Что это за место вообще? Видишь бочки? Химия какая-то. Склад, ну или как это, могильник. А майку, может, местные повесили, чтобы подальше Спасибо, держаться? Родной. Ладно, так. Ну что, Артём, хватаем и понесли? Еще чего. Я сама. Сама пойду. Отсижусь пару минуток и двину. Старику уже, наверное, крышу рвет. Представляешь, с его доченькой что-то приключилось. Пап, это я. У меня батарея в рации сдохла, промочила ее. А так все в норме. Артём и ребята тут. Сэм, это ты там? Спасибо, что помог найти Анну. Теперь ты ее за шкирку и тащи сюда. Надо провести с ней эту спасительную беседу. А тут еще Степан гражданских на борт тащит. С ума все посходили. Честно, беги лучше, помоги Степану отца моего уговорить. Это он про Катю с Настей. Тёма, правда, мне лучше. Все нормально. А чё, Сэмчик, как настоящая-то база оккупантов выглядит? Скажу, чтоб мы знали, если наткнёмся. Qu'est-ce qu'il me demande de faire? De retourner au bordel, d'accord. On va y retourner pour finir l'épisode. Oh non, Strass, Michel Strass. On bat les couilles. Merde. Ah oh, putain, le con. Ah, évidemment, oh là là là. T'as le décès bête. Ok. Bon, qu'est-ce que tu vas me dire, autre connard? Артём, выручай. Старик уперся, не хочет брать Катю с малой. А она врач, да еще знает, где целёхенький вагон найти. Представляешь? Надо что-то делать. А bah, c'est un FDP, le vieux. Мы пойдем назад, наверное. Да куда вы пойдете? Вас там теперь сожрут святоши эти. Ну, ладно уж. Сожрут. До сих пор не сожрали. Да он не только из-за места переживает. Вы его тоже поймите. Может, нам с боем придется прорываться. Да и прорвемся когда. Неизвестно, что там дальше будет. Так я пригожусь. Я ведь лечить могу. И про мост я рассказала, что опустить можно его. Да, я же ему сказала про вагон в депо. Мы на нем приехали. Он удобный. Рад тебя видеть в добром здравии, Артём. Нас... Дядя Артём, возьмите нас, пожалуйста. Я буду себя хорошо вести и помогать буду. Честно-честно. Настёна, не доставай дядю Артём. Привет, Артём. Согласен. Добро пожаловать в экипаж. Спасибо, не подведу.
Привет, Артём! И как все срослось? Артём, подойди. Садись. Артём, у нас появилась возможность перебраться через мост без штурма. По реке регулярно ходят караваны, мостовики с ними торгуют. Под видом торговцев мы скрытно проникаем к ним и опускаем секцию моста. По словам Кати, механизм в порядке. Сработаем быстро, и мостовики нас не остановят. А если попытаются, мы переправимся в любом случае, чтобы эти мракобесы там себе не думали. Хотят крови, получат. Остается только дождаться посудину торговцев. Товарищ полковник, ну как мы их тут-то бросим? Сожрут ведь! Степан, ты голову пробовал включать? Ты знаешь, куда мы едем? Знаешь, что по дороге будет? И куда Степа мы их в Авроре втиснем? На ящиках с углем спать? Но мы-то ладно, по-спартански. Но женщину, да еще с девчонкой 6-летней, как тут разместить? Да я свой матрас отдам, а сам в кочегарке. А, отдохнешь на все сто, и на первом же дежурстве тебя сонного вражеский диверсант зарежет. Все равно, нельзя их оставлять. Так давайте достанем тот вагон, о котором Катя говорит. Ну не можем же мы ребенка тут бросить. Да и вообще, сколько можно в проходах валетом спать? Ай, ты явилась. Как мы его достанем? Аврору я туда не погоню, тут и думать нечего. И не надо Аврору, у меня в терминале дрезина припрятана. Ей вагон тащить, что два пальца в асфальт. Сейчас мы с Артемом за ней смотаемся и пригоним. Христа не пущу, мы в 4 руки до утра с ремонтом проводимся. Один я вообще ничего не гарантирую. Ладно, черт с вами, со всеми. Хватит из меня чудовище лепить. Если вагон добудете, возьмем гражданских на борт. Артем, займешься? Ну, Артем, заметим караван, бросай все. Прорваться через мост основное, сам знаешь. И этот шанс я не упущу. Спасибо, папа. Так и быть, обещаю подумать о внуках. Держи, Артем, это от дрезины предохранитель. Без него не поедет. Машинка надежная, зуб даю. Мы с ней почти полмира, из конца в конец. Товару перевезли. Страшное дело. Из стольких передряг меня вытащила. Артемыч, раз уж ты один, получается, в терминал идешь, слушай. Путь не близкий. Что хочу сказать-то? Если по темноте отправишься, меньше шанс на бандюков напороться. Они тогда по нычкам своим греются. Но ночью тоже не того, не прогулка будет. И зверья много вылазит, и молнии там шаровые местами. Их святоши за демонов электрических держат. Так что ты покумекай сам, когда лучше выдвигаться. Артём, я в тот район князя в дозор отправил за мостом наблюдать. Связь там не важная, одни помехи. В общем, если встретишь его, получишь последние данные по окрестностям терминала. С Аней и Степаном сговорились, небось. Да я за этих двоих не меньше вашего переживаю. Просто не факт, что здешние святоши хуже того, что нас ждет впереди. А, ну ладно уж. Окей. On verra bien, Michel. Молодцы, что батю уломали. Аня, спасибо вам с Артемом, что помогли нам. Без вас не знаю, что с нами было бы. Проклятое здесь место, не иначе. Еще и Силанти этот. Катя, не стоит раньше времени благодарить. Можете только Артему удачи пожелать. Конечно, Артем, пусть вас Бог хранит. Это фе. И вам, Степа, спасибо. Да что вы. Окей, бон. Eh ben, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Bon, bah là, y a pas le choix. Oui, oui, je vais partir en mission, lâche-moi. Tournounours dans les citernes, d'accord. Ah bah écoute, j'y penserai. vraiment toujours aussi cool, hein, le Gemu, c'est vraiment une tuerie, j'adore. Oh mais ferme ta gueule, putain, oh là là, casse-toi. Bon, branle des histoires de nounours. Ok, bon bah on se retrouve très rapidement au prochain épisode. Voilà, salut YouTube.